Nike. Le rendez-vous est fixé à 9h demain matin. Terminé. En fait, c'est un peu tôt, là. On va dire plutôt midi. Désolé, je suis en retard. Mais il y avait un film à la télé sur les babouins et... ils sont super rigolos avec tous leurs leurs bras et leurs... Respect pour que vous avez mis tous vos tenues de camouflage. C'est étudié pour agir dans la discrétion. Allons chercher cette cassette au ministère des Finances tous ensemble. Faisons-le pour le pays. Faisons-le pour ma Julie. Et faisons-le pour le hip-hop. Selector ! Selector ! Écoutez-moi les gars, j'ai dessiné un plan détaillé du ministère. La cassette, elle est dans le bureau du Premier ministre, là, dans un coffre. Ok ? Pour commencer, Ricky, Dave et moi, on entre. Jeezy, tu restes ici. On va dire qu'on est agence touriste et que moi, je suis Barracuda. Non, c'est moi qui vais être Barracuda. Putain, sans déconner, c'est moi qui lui ressemble, arrêtez ! Je déteste l'avion, moi ! Je déteste l'avion, moi. Je le fais mieux. Je déteste l'avion, moi. Non, c'est moi, je le fais mieux. C'est de l'or, ça. Je déteste l'avion, moi. Regarde, j'hésite pas, je m'embrasse moi-même. Je déteste l'avion, moi. Ça, c'est James Brown. Toi, tu seras looping. Et toi, Dev, tu seras futé. Et nous, qu'est-ce qu'on fout? Vous, vous restez là, et tout le monde se cache, et on se fond dans l'environnement naturel. Et quand il fera nuit, je ferai le signal secret. C'est bon! À ce moment-là, vous branchez votre radio sur la plus moisie des stations de Speed Garage et vous mettez le son sur grosse sauce. Ça fera sortir les gardes. Et c'est là que nous utiliserons un dispositif ingénieux pour les maîtriser. Mikado! Monsieur, c'est quoi ce cercle, nom de Dieu? Je suis sûr que c'est rien, monsieur, mais je vais envoyer des hommes à tout hasard. Soyez vigilants, surtout. Je veux un maximum de sécurité. Inspectez les lieux. Le grand hall est exactement le même que chez Lara Croft. Vous savez, comme dans Tomb Raider 2. Alors, Dave, si tu cours jusqu'au pilier, ça nous fait traverser le monde sous-marin et peut-être on peut passer au niveau supérieur. Si jamais ça marchait pas, il faut qu'on trouve un moyen de passer le plancher piégé. Ma parole, si on décolle à pied du sol, on est dead. Rien. On continue les recherches. Prochaine étape, faut qu'on traverse les faisceaux laser. Dave, tu vas utiliser ta botte secrète pour nous aider à traverser. Oubliez pas, si jamais il y en a un qui coupe un de ses rayons, il déclenche l'alarme, ok? Alors super gaffe. Allez, on y va. Just get on down. Their bodies getting so fucking high.